Bonjour tout le monde, ici Manoc Daniel et bienvenue à Software Inc, notre nouvelle série si on veut. La nouvelle série qu'on va commencer aujourd'hui, c'est un jeu, j'ai déjà fait un Vendredi Varia, si vous voulez aller voir exactement c'est quoi, je vous invite à aller checker ça. C'est un jeu de simulation de développement logiciel. Là, je suis juste en train de créer mes noms ici. C'est comme ou très semblable à Game Dev Tycoon, mais c'est pas Game Dev Tycoon parce que c'est tous les logiciels. On peut bâtir n'importe quelle sorte de logiciel. Et puis c'est vraiment plus un simulateur de business, si on veut, qu'un simulateur ou un genre de jeu qui va t'apporter au travers de l'histoire du jeu. Malgré le fait que le jeu comme tel commence, je pense, en 1980. Donc, certaines choses que je fais, évidemment, j'ai mon bonhomme ici qui est habillé exactement comme mon bonhomme de Minecraft. Pour quelque raison, mon chandail ici semble avoir un trou dans le sous-bras. Je devine, c'est parce que je suis pauvre. Parce que je suis en train de commencer une compagnie. Et puis, quand on commence une compagnie puis on est pauvre, on a des trous dans nos chandails. Je vais choisir ma spécialisation étant audio. Parce que je veux pas vraiment que les autres focus sur audio pour le moment. Donc, même que non, je vais mettre en 2D comme ça, les autres peuvent. Parce que quand je dis les autres, c'est parce qu'on va, on va embaucher des gens. Ils vont se mettre sur le 3D. J'ai descendu à 0 gérer, puis j'ai descendu à 0 marketing. Je vais même aussi dire gros merci à Claire qui a laissé savoir dessus mon, mon Vendredi Varia que le jeu, comme tel, il y avait une traduction. Parce que je n'étais pas au courant qu'il y avait une traduction. Donc là, on va pouvoir jouer en français. Il y a certaines petites choses qui sont peut-être étranges. La traduction n'est pas à 100%. Puis aussi, la traduction, c'est pour une version. Là, c'est une version du jeu. Mais en tout cas, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc, j'ai changé l'environnement. Ici, on est en ville. On va commencer à lancer. Et nous voici! Voici où ce qu'on est. Je vais juste reculer un petit peu. On va poser ça. Ça ici, c'est la ville. Check ça. Oh, les buildings disparaissent mystérieusement. Donc, je devine que j'ai un genre de clos ici ou une patente ici. Le jeu a changé un petit peu depuis la dernière fois que j'ai joué. Il faut juste que je me rappelle. Enfin, c'est ça. OK, donc je peux faire ça. Je peux probablement acheter ce terrain-là. Je peux probablement bâtir ici. En fait, je peux probablement acheter pas mal n'importe quel terrain puis bâtir dessus. Je me demande si je pourrais rentrer dans ces affaires-là. Ce serait intéressant. Mais bon. Donc, ça ici, c'est où ce qu'on va se mettre. On va zoomer. Ça ici, c'est l'arrêt d'autobus. On va, je pense, sur le coin de la rue ici. Comme ça, peut-être les gens peuvent prendre avantage du stationnement. Est-ce qu'ils vont se stationner si c'est, même si c'est pas mon stationnement? Je sais pas. On va commencer ce qui va être la tour. La tour Mononc. Donc, si vous avez vu dans le Vendredi Varia, moi, ce que je fais, c'est pas plus dur que ça, c'est de même. On va venir ici, bureau. Oh, il y a des tables rondes maintenant. OK, ça, c'est intéressant. On va mettre ça. On va mettre un... je suis encore dans le bureau. Je vais mettre une chaise. Pas une chaise confortable. Un petit peu, là. Juste de même. Et un ordinateur. L'ordinateur la plus plate qu'on a, parce que c'est juste ça qu'on a en ce moment. On va mettre des fenêtres comme ça on peut voir. On va mettre une porte comme ça on peut rentrer. On va mettre une autre porte comme ça on peut aller ici. Vous me demandez peut-être pourquoi ça c'était là. C'est parce que je veux mettre une toilette. Donc, comme ça. Là, faut que je fasse attention. Faut pas que je dépense tout mon argent. Là. J'ai seulement 9 000 $. Puis je vais être le seul employé au début. Puis ce que je vais faire, probablement côté stratégie. C'est juste que tout est en français. Je suis tout mélangé. Besoin. Donc là, comme ça. Ouais, donc au début, vraiment, ça va être. Le but va vraiment être juste de survivre. Essayer de se rendre. Voyons, qu'est-ce que tu dis là, Daniel? Essayer de se rendre à un point où ce que je peux être confortable, je peux être prêt à bâtir mon premier logiciel. Donc je vais prendre des contrats au début. Et non des logiciels. On va juste faire avancer le temps. Ah, ok, 1, 2, 3, ça change de vitesse. J'aimerais bien, si je pourrais. Le jeu comme tel, franchement, là, il y a des mises à jour, il y a un char qui vient de passer. Il y a des mises à jour comme très 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 souvent, c'est ridicule. C'est juste ici comment souvent qu'il y a des mises à jour. Et puis, oh, il y a beaucoup de trafic, on doit être en ville. S'il y a une affaire que j'aimerais bien que espace fait pause. Espace fait pas pause. 1, 2, 3, change de vitesse. Mais j'ai pas de façon de faire pause. Ah, 0 ça fait pause. Oui, mais 0 c'est super loin. Ah, 1, 2, 3, 0. Ouais, à moins que j'utilise. Ah, en tout cas. À vite, prochaine journée. On va avancer un petit peu. Ok, donc là, bonhomme chose, c'est moi, là. Je vais arriver, je dois être dans cet autobus-là. Check les beaux graphiques. Wow. Wow. Est-ce que je suis là-dedans? Non. Ok. On va essayer. Oh! Je viens de. Je sais pas si vous l'avez vu. On va. Tiens. Donc là, je suis assis là, puis j'ai rien à faire. Voyons voir ici.
On prend un contrat pour ce gars-là occupé. On va faire baser sur le revenu. Prendre celui-là qui a le plus de revenus. Taille de l'équipe recommandée 1. Artiste 50%. Je suis artiste? Je pense pas que je suis artiste. Artiste 0%, c'est environ le même montant. Attends, on va faire ça. Accepter le travail. Équipe core, c'est moi. Et voilà. Je vais en profiter aussi pendant que je suis en train de faire mon développement ici. Donc j'ai une journée pour faire ça aussi. Là. Donc go, 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 go. À midi, si j'ai pas fini, il faut que je me rende à la barre pour midi, l'après-midi. Oh, il y a une affaire qu'il faut que je fasse aussi. Ici. Je vais faire ce que tout le monde travaille jusqu'à 5 heures. Ça fait toute une différence cette heure-là. D'extra, franchement, là. OK. Développer. Il y a des. Il se posait avoir des petits jeux aussi. Je me rappelle plus comment jouer aux jeux. Il avait fait des jeux. Peut-être que sur des contrats, ça existe plus. Ou ça. C'est... Merde, je me rappelle pas si. Mini-jeu. Mini-jeu. OK. Ça ici, c'est le genre de choses qui va faire que ça peut aller plus vite. Donc, cliquez pour commencer, taper les mots à l'écran. OK. C'est pas le mini-jeu que je me rappelle. OK. Casse. Case. Select. OK. Where. Void. Float. Ça ici, ce que ça fait, si vous regardez à droite, en haut à droite, ça devrait faire à ce que les choses... Merde, je me suis trompé. Les choses développent plus vite. Select. Double. Décimal. Mal. Anonymous. From. Bool. Switch. Abstract. C'est ça que je suis au travail. Matrix. Array. Array! OK. Merde, c'est la fin de la journée, je pense d'avoir fini. Oh non, un mois restant, OK. On est rendu à 100%, promouvoir. On va aller au prochain. Donc, ouais, vous allez remarquer pour... on va juste faire ça. Pour ce jeu-ci, je suis en train de me demander quel but qu'on devrait se donner. Je vous invite à laisser des suggestions dans les commentaires, quelle sorte de but qu'on devrait donner. Aussi, qu'est-ce qu'on s'amusait à faire avec... ouais... Boom. OK, qu'est-ce qu'on... Yeah, j'ai fait 15 000 $. Qu'est-ce qu'on s'amusait avec Game Dev Tycoon? C'était des suggestions de noms de logiciels. Oh, 30 000, 20 000 suggestions. Une personne, limite 2 mois, artiste 100%, c'est beaucoup trop. J'ai besoin de rester en vie. Je me paye pas moi-même un salaire aussi, c'est ça qui est le fun. Peut-être pas nécessairement réaliste, mais le fun. On va prendre notre chance avec celui-ci qui est qualité de bien, mais artiste. Accepter le travail. Enfin. Donc ici aussi, il devrait y avoir un mini-jeu. Hein? Ouais, OK, là, celui-ci, il faut que je connecte les 1. Oh merde, oh merde. OK, ça fait est-ce que ça monte. Je pense pas qu'il va arrêter à la ligne bleue. Par contre, je pense qu'il va continuer jusqu'au bout. Merde, merde. OK. Donc, je sais pas si vous remarquez, là, mais le but, c'est il y a des carrés de même, puis il y a des numéros dans les carrés, puis il faut que je me rende à 0 pour ramasser les points. Puis si je manque, ben, je manque. Là. Oh merde, oh merde, oh merde. Oh, OK. Oh, OK. Développé. Même que... Ouais, OK, j'étais... J'ai développé un petit peu trop. On va pas jouer avec les mini-jeux pour tout de suite. On va laisser ça. Mais ouais, OK. Ce que je suis en train de dire, ben, premièrement, si vous avez des suggestions pour des noms de logiciels, parce qu'on va commencer à créer nos propres logiciels, j'ai besoin de noms. Autrement, je suis en train de me demander aussi quel devrait être notre but. Moi, j'aimerais bien contrôler le monde. Donc, si vous avez jamais vu ce jeu-ci... Voyons, ici, ça ici, c'est l'historique de tous les logiciels qui ont été bâtis. Ce que le jeu fait, c'est qu'il simule une genre 10 ans avant que le jeu commence. Donc nous, on est en 1980. Et puis, ça, c'était tous les logiciels. Voici toutes les entreprises. Donc, mon oncle est ici. On n'a pas une grande valeur. On a zéro fan. Ça, je sais pas c'est quoi. Ça, c'est nouveau, ça. Fondé en 1980. On a zéro produit. On n'a rien fait à date. Je suis en train de me demander, ça serait le fun... Une des affaires que j'aurais voulu faire, ce serait de dire, genre, sur le marché, il ne reste plus personne que nous. On est, genre, la Monopoly. Si on a le monopole, si les gens veulent acheter du logiciel, ils doivent l'acheter de nous. Mais je suis pas vendu que ça va être possible. Tu t'en vas à la maison, toi? Fine, va-t'en à la maison. Bye. Reviens, 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 reviens. C'est le fun, mon personnage. Merde, je fais trop de qualité, t'as. Mon personnage, ce qui est le fun, c'est qu'il... parution, c'est quoi parution? Ça c'est lent. Ok, tac, ok, cool. La tradition me mélange. Ouais, mon personnage, il a pas envie d'aller à la toilette, il prend pas de vacances. Ça ici, c'est de l'art. L'art, ça a l'air d'avoir super bien fonctionné, donc on va faire ça. Celle-là, 30 000. Ouais, parce que c'est pas que ça vaille la peine, faudrait que ce soit 60 000 accepté. J'aimerais bien prendre contrôle du monde. Je sais pas comment réaliste ça va être de prendre contrôle du monde. On va voir, on va voir.
On va gager ça. À date, ça avance lentement, mais c'est parce que je suis seulement une personne. Même que, on va se dire que rendu à 50 000, même avec ça ici, je vais me rendre à 50 000 développés. Donc, je sais pas, peut-être rendu à 60 000. C'est combien ça ici? Ben, en tout cas, après celui-ci, on va embaucher quelqu'un. On va commencer tout de suite à préparer ça. On va dupliquer ça. L'autre personne va s'asseoir là. On va jeter ça à la poubelle, oui, s'il vous plaît. On va venir ici et puis on va. Bureau. Attends, tu peux là, c'est où ce que. Non! C'est celui-ci. Je veux une grosse fenêtre comme ça. Là, parce que je vais embaucher quelqu'un. Non, reviens ici. J'ai besoin de mettre des affaires de besoin. Donc, les gens vont avoir faim, donc il y a besoin d'un frigidaire. Et les gens vont avoir soif, donc il va falloir que je mette une table de quelque sorte. Il va falloir que je tasse mon chauffage. Ça va là, ça va là. Et puis, je vais acheter une petite table. Bureau, table, comme ça. Et puis, dessus la table, je vais mettre un petit peu de café. Tain. Et puis, on va aussi appeler la dame de ménage. Comme ça, quand le gars y apparaît, hein, le nouveau gars qu'on va embaucher, il va peut-être fâcher. Donc, ménage, 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 ménage. Propreté. Là, si je ne me trompe pas ici aussi, ouais, l'ordinateur est à 92%. Ici, l'ordinateur est à 100%. Donc, mon gars, demain, ce qu'il va probablement faire. C'est un monsieur de ménage. Merde, je ne vais pas pouvoir son nom. Je vais probablement venir m'asseoir ici. Oh non! Ok. Oh, toi d'abord. T'adores travailler, c'est le fun, ça. On va assigner ça à toi. Donc, ça, c'est rendu ton ordinateur à toi. Utilisé par mon oncle, possédé par mon oncle. Ben, pas littéralement possédé par mon oncle, là, mais en tout cas, mon oncle possède ça. C'est pas un fantôme. Mon oncle, c'est pas un fantôme. C'est ça que j'essaie de dire. C'est dur, là. C'est bien dur. Ok, go, 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 go. J'aurais dû attendre un mois avant d'appeler le gars pour faire le ménage. Ok. Ça. On va voir. Et. Parution, ce qui est vraiment launch. Ok. 28. Ok, voyons voir ici. On va gérer. Non, non, non. Je veux embaucher quelqu'un. On va. Faut que je me rappelle. Embaucher. Ok. Le rôle, ça va être un programmeur. On va commencer avec un programmeur qui va juste nous aider à programmer. Ouais, il va nous aider juste à programmer. Programmeur. Moi, c'était quoi mon gars? Moi, il était fort en. Je me rappelle plus. Toi, t'es fort en quoi? T'es où, toi, là? Détail. Ça ici, c'est moi. Check ça. J'ai des gros trous dans mon chandail. Je suis fort en 2D. Donc, où est-ce que c'est le plus faible? Je t'ai pas supposé le faire en audio. Je me rappelle plus c'est quoi j'ai choisi. Merde. Mais bon, ok. Lui ici, on va dire, je veux qu'il soit fort. Oui, c'était 2D, j'avais choisi. En audio ou en système? En audio, ça va durer longtemps, mais en système aussi. Ok, en système. On veut quelqu'un de vraiment bon. Ça ici, c'est le salaire. Ben, le salaire, on va laisser là. Mais je veux que tu fouilles beaucoup. 500. Commencez à regarder. Montre-moi ça. On va mettre ça comme ça. Donc, ça ici, c'est le pourcentage. Comment bien que la personne a réussi. Genre, c'est quoi les qualités de la personne. Donc, celle-ci, elle est 41% bon. 42% bon. Personnalité, elle a une bonne compatibilité. Elle est compatible avec mon oncle. Elle est bonne en programmation, mais elle pourrait aussi devenir peut-être un gérant. C'est Sherry, je devine, c'est une madame. Et puis côté code, pas pire. Pas pire, c'est pas à 100%, mais c'est pas ce que je cherche non plus. Donc on va. Missing translation. Ça ici, c'est le piton pour embaucher. Je devine. Donc on va l'embaucher, Sherry. Elle va venir nous voir demain. Est-ce que je veux l'embaucher? Je devine, c'est qu'est-ce que ça me demande. On va dire oui. Ok. Voilà. Donc là, maintenant, on va avoir deux personnes dans l'équipe. On va avoir mon oncle et puis on va avoir Sherry. Mon oncle, tu peux prendre le reste de la journée off. Ouais, va te reposer. T'as fait du bon travail. Ça fait une couple de mois. Ok, Sherry, viens-t'en. Et où elle est là? Ah, je l'ai pas embauché. Pourquoi je l'ai pas embauché? Merde. Merde. Ok, that's good. Embaucher. Ça. Je suis un programmeur. Je peux faire du système. Commencez à regarder. Ok, toi, t'es à 70%. Ça, c'est pas mal bon. Voyons voir. Est-ce que tu peux t'entendre? Pas vraiment. J'aimerais mieux avoir quelqu'un qui est pas super bon, mais qui s'entend très bien avec la compagnie. Toi, tu t'entends bien, mais t'es seulement à 35. Voyons voir. Ouais. Tu peux faire un petit peu de tout, mais il va falloir qu'on t'entraîne. Ça veut dire.
Il n'y avait pas un python qui disait genre essaye, cherche encore. Ah, embaucher, c'est ici. Donc ça ici, ça doit être cherche encore. Veux-tu chercher encore? J'ai dit oui tantôt, puis ça n'a pas rien fait. Tu as dit non. Ah. Oui? Ah, ok. Ça, c'est python, cherche encore. Donc ça cherche une deuxième fois. Merde! Cherche encore. Bon, ok. Je veux des gros pourcentages. Très mauvais. On va pas embaucher Donnie. Chris. Pof, pas très bon non plus. Comptabilité normale. Ok, c'est toi qu'on va. Suzanne. Embaucher Suzanne. Vous avez un capital limité pour soutenir, je le sais. Mais on va l'embaucher pour venir nous aider. Parfait, merci beaucoup. Bon, cette fois-là, je l'ai embauché. Pas de vrai. En l'attendant, on va prendre un autre contrat parce que là, je viens de fucker un petit peu la bébelle. On va faire ça. Accepter le travail. Go. Côté réputation, c'est bien. J'ai une étoile. Ça va bien, ça va bien. Go, 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 go. Envoyez, envoyez, envoyez. Ce qui est fun en passant, c'est dans ce jeu-ci, une journée, c'est un mois. Donc, à la fin de la journée, un mois va être terminé. Mais ce qui veut dire que quand tu prends un contrat, Suzanne travaille sur l'art. Sur l'art? Ouais, mais Suzanne n'est pas encore dans le bureau, Suzanne, donc c'est correct. Ouais. Ah merde! Mon oncle revient, il reste tellement pas beaucoup de choses à faire. Ah ouais, t'es plate. Tu vas-tu revenir là? Ok, go, 100%. Promouvoir, Suzanne est là! Hey Suzanne! Oh, c'est quoi tu disais? Mon oncle, hey, non, non. J'essaie de cliquer. Non, mon ordinateur fonctionne très bien, good. Ton ordinateur est à 95. À 87, faut que j'appelle un gars de TI là, bientôt là, pour qu'il vienne réparer l'ordinateur. Donc là, côté développement, ce qu'on fait en ce moment, ça devrait aller deux fois plus vite, ce qui est super bien. On va. Hop! Parution, parfait. On va prendre un couple de contrats. Puis on va essayer de se rendre à trois personnes. Là, on a développeur, on a mon oncle. Ce qu'il nous faut, ça, c'est super bon. Ça. Artiste 100%. Merde. Merde, merde, merde. Mais c'est beaucoup d'argent. On va accepter le travail, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Pour aider, on va faire le mini-jeu. Et puis, comme on est en train de faire le mini-jeu, ouais. Hein, je vais aussi penser, j'ai un artiste. Non, j'ai pas un artiste. J'aurais-tu besoin d'un artiste? À la taille de l'équipe que j'ai en ce moment, merde. À la taille de l'équipe que j'ai en ce moment, hein, je sais pas si je veux vraiment un artiste ou si je veux autre chose. Vraiment. En fait, ce que j'aurais vraiment besoin, ce serait un designer. Quelqu'un qui va faire l'architecture de mon logiciel. Quelqu'un qui peut se concentrer là-dessus. Merde, je viens d'attacher des trois. Des trois, c'est dur. Des trois, c'est dur. Des trois. Non! Merde. Je vais pas. Ok, on peut arrêter là parce que j'ai dépassé la ligne bleue. J'ai dépassé la ligne bleue. Je vais arrêter. Je vais arrêter. Merde, c'est le défaut de cette affaire ici. Je peux pas. Merde. Non. 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 Ok, ben là. Peut-être si. Hey, ils sont partis pour la journée. Hein. Ah. Ok, ben on va voir. Je vais seulement faire ces mini-jeux-ci pour les. Si je fais un logiciel de quelque sorte. Pour les contrats, ça vaut juste pas la peine. Si tu fais là, toi, ça vaut juste pas la peine parce que les gens, ils demandent pas 100% de qualité. Ça, ici, c'est la qualité. Donc, ici, ils demandaient comme 75% de qualité. Donc, j'aurais pu arrêter là. Je suis en train de faire trop de design. Je suis en train de perdre mon temps à faire du design. Mais, ça étant dit, on va skipper à demain. Ouais, un développeur, un mononcle. Mononcle, c'est comme le personnage, mononcle, là. Il peut tout faire. Mais Suzanne qui fait du développement, j'aurais besoin d'un architecte, un designer de quelque sorte. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va juste peut-être terminer ce contrat-ci, ramasser un autre contrat, puis après ça, on va agrandir un petit peu pour ramasser une troisième personne. Hop! Ah, ça dit qu'on est à 100%, mais la ligne n'est pas encore à la ligne. Mais là, on est à bêta. Et parution. Voilà, ok. On va juste faire pause juste pour 2 secondes parce que. Ici. Mon Dieu, c'est intense ce jeu-ci. On va faire ça. Toi et toi, on va vous mettre ensemble. Comment que je fais ça en fusionner une pièce? Là, madame, je sais que tu es là-dedans en ce moment. Alors, on va passer ça là. Toi, j'aimerais ça déplacer le meuble là et dupliquer ça. Excusez-moi. Et voilà, donc là, on est bon. On devrait être capable de ramasser une troisième personne. On est rendu à 100 000 aussi. Donc, avec la troisième personne qui peut faire le design. Attends, tu veux toi, tu me coûtes combien? Je suis en train d'essayer de figurer. Ton salaire, c'est 4 000. C'est 4 000 par année ou 4 000 par mois?
Je sais pas, t'as un peu si je viens ici. Comment que je fais pour voir mon argent? Mon argent? Non. Mon argent? Non. Mon argent? Non. Merde! C'est où mon argent? Y'a toutes sortes d'affaires de part pis tout, mais je veux pas faire ça tout de suite, tout de suite. Non. T'as un peu, t'as un peu, t'as un peu, t'as un peu. Salaire idéal, 35$ de plus. Ouais, mais tu me dis pas combien que tu me coûtes en ce moment. Mais bon, ok. On va gager ça. Là, on va voir. La question, c'est... On va embaucher la personne de suite. On va embaucher la personne de suite. Et puis, on va voir combien que ça nous coûte par jour avoir les trois. Donc, toi, tu vas être architecte en système. On va faire ça de même. Commencer à regarder. On va... Toi, ok. Non, tu t'entends. Je veux quelqu'un qui s'entend bien. Je veux une bonne équipe qui gèle ensemble. Si... Les gens peut-être les plus intelligents au monde, mais s'ils peuvent pas travailler ensemble. Ok, t'as peu. On va chercher encore. Voulez-vous chercher encore? Oui, s'il vous plaît. Mauvais. Ah, chercher encore. Oui, ça me coûte de l'argent, ça, là. Ok. Ouh, ça, c'est bien. Là, c'est bien. Puis tu sembles super bon en design aussi. T'es juste pourri un petit peu en 2D, mais c'est correct. On va t'envoyer en training. Jackson Nichols. Embauché. Et voilà, on a notre trio. Ok, vous pouvez aller à la maison. Voyons voir, ça c'était 83, ça c'était 90. Je pense que c'est quand c'était 70 que je veux vraiment faire quelque chose. Ce qu'on va faire aussi, c'est parce que là, on commence à avoir du monde. Donc on va changer ça ici un petit peu. Dans le Let's Play, le vendredi férié que je vous avais montré, je ne me rappelle plus exactement quelle couleur qu'on avait mis. Pour l'intérieur, on va faire ça de même. Pour l'étage, ça c'est quoi, c'est le plancher? On veut un plancher bois franc, certainement. La toilette peut rester grise, là, je me fous un petit peu de la toilette en ce moment. Couleur de la pièce, disons l'extérieur, on veut un genre de beige. Beige? Pourquoi? Beige? Pourquoi c'est vert tout le temps, là? C'est parce que je suis... Tain, ok, beige. Intérieur, rouge? Ou bleu? Ou rose? Ou vert? Ou jaune? Jaune, mais c'est la même couleur que... Tain, bleu de même. Et puis, par terre, on va juste mettre... Ça, c'est du bois. Donc, comme ça, peut-être un petit peu plus sombre, couleur de bois. Avec ça, toi. OK, si je peux faire... Est-ce que ça, c'est les couleurs par défaut? Tain, ça, c'est style par défaut. Toi, ici, je peux-tu te mettre... Redéfinir le style par défaut. Tain, OK, parfait. Cool. OK, ben, t'as un petit peu. Ça, c'est... La beauté ici, c'est 108. Je veux quand même que les gens se sentent... Pourquoi tu fais ça, là? La température va beaucoup varier. Pourquoi? Ah, quand j'ai ajouté le mur ici, j'ai complètement... Oh, merde! Il fait 15 degrés. J'ai complètement oublié. Quand j'ai ajouté la partie extra ici, il faut ajouter de la température. On va mettre ça, et on va mettre ça. Et aussi, je veux éclairage. On va mettre ça là et aussi une là dans la chambre de bain. Et côté décoration, c'est les décorations les plus laides au monde, mais on va faire ça, on va faire ça. Les gens travaillent mieux dans un bureau qui est joli. Donc, on va leur donner un petit bureau qui est joli. La seule chose que je peux pas faire, c'est que je peux pas vraiment mettre de plantes. À moins que je tasse. Y a-t-il quelque chose que je peux tasser pour mettre des plantes? Je pense pas. Je pourrais mettre un autre. Non. Mais c'est correct de même. C'est correct de même. Puis de même, on va mettre. Tain, une photo là, comme ça, quand ils sont à la toilette, ils peuvent regarder la belle photo. Cool. Ok, je pense qu'on est prêt à accepter. C'était quoi son nom, Jackson? Jackson, je pense que c'était son nom. On peut-tu renommer les gens dans ce jeu-ci? Je suis en train de me demander si on peut renommer les gens dans ce jeu-ci. On va voir ici vite, vite. Toi! Information. Jackson, je peux pas recharger ça. C'est plate, ça. J'aurais bien aimé mettre vos noms à vous. Bouh, je suis déçu. OK, j'ai mis pause parce que... Je suis en train de débattre si on va faire un contrat. Un dernier contrat. Ça semble m'avoir coûté 8 000$. OK, on va faire un dernier contrat. On va faire celui-là. Accepter le travail. Donc, j'étais 93. Voyons voir, parce que je vais sûrement pas finir aujourd'hui. Donc, 93, on va voir, ça va descendre de combien? Ça va être le montant d'argent que je paye par jour. Et puis, ensuite, je peux diviser ma somme d'argent totale par ce montant-là. Puis, je sais combien de jours que j'ai pour faire un logiciel. Puis, ensuite, avec ça, je peux utiliser l'estimé. Allez-vous à la maison. Alors, je peux utiliser l'estimé. Je vais embaucher. Merde, non, je veux pas embaucher quelqu'un de propriété. Je veux savoir combien ça va coûter.
je peux planifier, disons. Donc, ok, 93. 93 jusqu'à minuit. Donc, je peux cliquer là-dessus. 84, donc je perds 9000$. Ok, on va appeler le gars de ménage. Propreté. Oh boy, c'est beaucoup ça! 9000$. J'étais à 93, je descends à 84. Oh, excusez, j'ai donné une claque à mon micro. Développé. Il voulait pas de la super bonne qualité, eux, là. Donc, en fait, vraiment, ce que je peux dire, disons, si on arrondit, c'est 10 000 par mois. Donc, si je me rends à 100 000, j'ai 10 mois. J'ai 10 mois pour faire un logiciel. Faut que ce soit un bon logiciel. Je pense qu'on va être capable. On va terminer le contrat ici, puis on va commencer le développement de notre... Oh! Pourquoi vous partez? Oh, j'ai encore 2 mois. C'est vrai, c'est un gros... Sur les 14. Merde, c'est vraiment 10 000 que je perds par jour. OK. OK. Toi, t'es rendu à 77. 94, il faudra que j'appelle l'ETI ce soir. Là, je vais appeler l'ETI. En fait, la raison pourquoi j'attends, c'est parce que l'ETI, ils vont pas réparer rien. Je pense qu'il est par-dessus 80%. Donc, ce serait mieux pour moi si j'attends que les 3 ordinateurs soient à 80. OK. Promouvoir. Fais ça. Oh, il y en avait des bugs. OK. Parution. OK, je suis rendu à 116. OK. Pause. Et puis, voyons voir. Il commence à neiger. Comment qu'on peut jouer ou créer? Qu'est-ce qu'on peut créer comme logiciel?